Bonjour, je m'appelle Johanna et aujourd'hui je partage avec vous une séance de pilates pour les abdos et les cuisses. Prenez votre tapis et on se retrouve au sol. Avant de commencer cette séance qui va être très efficace pour muscler les abdos et les cuisses, on va prendre le temps de prendre trois grandes inspirations. On va inspirer depuis le bas-ventre jusqu'au haut du corps et on va imaginer que cette inspiration, elle va monter jusqu'au sommet de la tête. Ça va nous permettre de vraiment nous connecter au corps et puis de travailler de manière encore plus efficace. On y va? Alors, vous pouvez regarder loin devant vous, sentez vos épaules qui sont au sol. Vous pouvez même fermer les yeux. Et puis, vous prenez cette inspiration qui va commencer depuis le bas-ventre. On inspire, on laisse le ventre être complètement souple. Et la respiration continue jusqu'au sommet de la tête. Et on expire et à ce moment-là, on sent vraiment le corps qui se relâche dans le sol, qui devient de plus en plus lourd. Et encore, on inspire profondément. Et déjà dans cette deuxième expiration, vous sentez à quel point vos muscles se relâchent et à quel point vous vous connectez encore plus à votre corps. Encore une fois, inspirez. Et on expire le plus lentement possible par la bouche et on est vraiment totalement relié au corps. Dans cet instant-là, on va travailler de manière efficace. Très bien. Maintenant, allongez votre taille en plaquant le ventre contre vous. Inspire, on va serrer légèrement les fessiers et soulever le bassin. Et maintenant, on soulève les talons. Et on va ouvrir les cuisses sans bouger ce bassin. Refermez les cuisses et posez, descend le bassin. Inspire, on plaque le ventre, on allonge la colonne vertébrale, on soulève les fesses légèrement. Soulève les talons, inspire, expire, ouvre les cuisses, referme. Et descend. Et on inspire. Expire. Et encore. Plaquez le ventre, ouvrez vos épaules, allonge le dos, serre légèrement les fessiers. Et soulève vos talons. Sur l'expiration, on ouvre ses cuisses, on tient le ventre. On referme les cuisses et on descend. Prenez le temps d'inspirer à nouveau. Inspire, expire, ouvre les cuisses. Voilà, là vous travaillez bien le contrôle du mouvement. Il ne faut pas laisser les cuisses aller trop à l'extérieur si ça fait basculer le bassin. Et puis vous sentez votre corps sur le sol. Voilà, soulevez bien les talons, sentez vos orteils qui se relâchent. Et là, on maintient cette position avec le bassin soulevé. Redescend. Et encore deux fois. Plaquez bien le ventre, allongez la taille, soulève le bassin. Soulève les talons le plus haut possible. Et là, vous maintenez cette position. Ouvrez légèrement les cuisses. Et referme. Descend. Et le dernier. Tenez vos fessiers. Et on redescend doucement. Très bien. Inspire, on plaque à nouveau le ventre. On va soulever sur l'expiration les deux jambes. On va rapprocher les pieds et les genoux. Tension de nouveau avec votre dos. Plaquez bien le ventre. Inspire, on met les mains derrière la tête. Et sur l'expire, on soulève. Le haut du corps ne bouge plus. Et on va tendre les jambes sur l'expiration. Inspire, reviens, jambes pliées. Et expire, tend. Alors vraiment, c'est à vous de choisir la hauteur. Évidemment, ça dépendra de votre souplesse, donc respectez bien votre morphologie. L'important ici, c'est vraiment que le dos reste stable, qu'il ne bouge pas et que le ventre ne se gonfle pas dans l'effort, que vous réussissiez à le garder plaqué avec la taille bien allongée. Et encore, restez, inspire, on ne bouge plus, on ouvre les cuisses. 1, et 2, et 3, et 4. 5, reste les cuisses ouvertes, on pose la tête, on inspire, on replace bien ce dos, expire, tend les jambes, ramène pointe contre pointe et tend sur le côté, inspire, expire, gardez vos genoux ouverts vers l'extérieur, on travaille bien les adducteurs ici, encore 2, referme les genoux, inspire, soulève la tête, expire, restez, inspirez, sur l'expire, on va tendre la jambe 5 fois, et tend, 1,
Et 2. Et 3. Plaquez ce ventre. 4. 5. Replie les genoux. Inspire, on ne bouge pas. On essaie de soulever les épaules du sol. Et ouvre 5 fois les cuisses. 3. Et 4. 5. Reste ouvert. Pose la tête. Et plaque le ventre. Ouvre les jambes vers l'extérieur. Là, vous sentez comme vos épaules sont détendues. Relâchez. Et encore un. Pied contre pied. Referme. On continue. Soulève. Reste. Et tendu. 1. Et 2. Le cinquième. Et restez. Ouvre les cuisses. Gardez vos pieds joints. 2, c'est super, on continue. 3 et 4, le ventre est tenu, c'est parfait, reste ouvert. Ouvre les cuisses, pose la tête. Inspire, expire. Encore. Et referme, prêt. Dernier, soulève la tête et tend. 1 et 2. 3, faites bien le mouvement des jambes pliées. Et reste. Ouvre les cuisses. 1 et 2. Reste ouvert. Pose la tête. Étendu. 1. Relâchez les épaules. Plaquez le ventre. Mettez vraiment toute votre attention dans le ventre pour que le dos reste bien placé. Et referme. Allongez vos bras derrière. Inspirez. Ouvrez grand les bras sur le côté pour venir attraper vos genoux et les tirer vers la poitrine. On relâche un petit peu le dos. Respirez. Et on va passer sur le côté. Alors, on va placer le coude sous l'épaule. Amenez la jambe devant, l'autre jambe vient par-dessus. Et puis la petite subtilité, c'est qu'on va mettre les orteils au sol pour soulever le talon. Voilà, donc vous allez vous retrouver dans cette position avec les talons l'un contre l'autre. Vous pouvez prendre appui sur vos orteils pour bien soulever le talon de la jambe qui est au sol. Évidemment, pensez toujours à votre taille. On allonge la colonne vertébrale du bas jusqu'en haut. Vous pouvez fixer votre main et on inspire, on tire le ventre. Sur l'expire, on va fermer et ouvrir. Inspire, inspire, inspire. Encore. Voilà, contrôlez l'ouverture, évidemment, chacun ouvre comme il peut, selon sa morphologie. C'est vraiment important que vous respectiez votre corps, vos besoins, votre rythme pendant toutes les vidéos. Ce que je vous propose, c'est juste des propositions et puis vous adaptez selon vos besoins. Allongez bien la taille, la nuque. Et là, on travaille évidemment l'intérieur des cuisses, mais vous allez aussi sentir une petite chaleur du côté de vos fessiers. On continue. Reste, inspire, tend la jambe, touche le sol devant, remonte et plie. Inspire, tend la jambe, touche le sol devant, remonte et plie. Voilà, on va ramener quand on replie toujours le talon contre talon, puis veillez à ce que le talon qui est au sol reste bien soulevé. Inspire, puis là quand vous allez plier, essayez d'ouvrir ce genou vers l'extérieur. Et genou vers l'extérieur, puis talon contre talon, encore. Encore 2. Et on allonge la taille. Très bien, relâche, on va passer de l'autre côté. Placez-vous toujours tranquillement pour être sûr que vous avez une bonne position. C'est important de bien commencer. Tenez la taille, relâchez cette épaule. Donc, talon contre talon, on prend appui sur les orteils de la jambe qui est en bas. On inspire, on s'allonge. Et sur l'expire, on va fermer et ouvrir. Donc voilà, le mouvement est volontairement long pour que vous ayez le temps de contrôler ce qui se passe. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Prenez votre temps pour bien sentir le mouvement dans votre corps et pouvoir accorder votre respiration.
Inspire et expire. Reste, inspire et expire. Ça commence à chauffer, j'imagine. On va rester ouvert. On inspire, on allonge la jambe, touche le sol devant, reviens talon contre talon en ouvrant le genou. Étends, pose au sol devant, remonte et faites l'effort de vraiment ouvrir cette cuisse au moment de plier, de ramener les talons l'un contre l'autre. Encore. Et on allonge la taille. À nouveau, hein, veillez à ce que votre talon de la jambe du bas reste bien soulevé. Et là, on fait l'effort, on ouvre la cuisse. Et on ouvre la cuisse et on amène talon contre talon. Encore. Encore deux. Ouais, relâchez, on va se mettre sur le dos. Donc à nouveau, les pieds bien à plat sur le sol. On va dérouler le dos doucement. Voilà, vous pouvez rapprocher un petit peu vos fessiers de vos talons. Encore une fois, on inspire, on plaque ce ventre, on allonge la taille. On relâche bien les épaules, veillez à ce que votre nuque aussi soit longue. Les bras vont se placer le long du corps. On inspire, on maintient cette position et sur l'expiration, vous allez soulever le bassin cette fois jusqu'au plafond. Une fois en haut, vous sentez toujours vos épaules au tapis et sur l'expiration, vous allez soulever la jambe droite, jambe pliée, sur l'expire. Vous allez ouvrir doucement la cuisse, revenir en parallèle, tendre devant, plier et pose. On change de jambe, inspire, soulève, jambe bien parallèle. Sur l'expiration, ouvrez cette cuisse, reviens parallèle, tend la jambe, replie et pose. Pendant tout ce mouvement, votre dos est stable, le bassin ne bouge pas et vous respirez tranquillement. Inspire, soulève, expire, ouvre la cuisse vers l'extérieur. Comme on a fait tout à l'heure. Voilà, encore l'autre jambe. Gardez ses fesses bien soulevées. L'effort est là. C'est de ne pas bouger le bassin et de sentir que le reste du corps est détendu. On ouvre la cuisse, allez vers l'extérieur, centre, étend, replie. Encore une fois de chaque côté. Ouvrez bien la cuisse, reviens parallèle, tendu, replie. Pose, inspire, soulève les deux bras vers l'arrière, montez votre bassin un poil plus haut. Et vous pouvez même fermer les yeux pour dérouler le dos lentement, vertèbre après vertèbre. Ça fait un petit massage, relâchez bien. Gardez vos bras derrière, on inspire, on plaque le ventre. Et sur l'expire, on va venir toucher les genoux. Repose la tête et soulève les deux jambes. Inspire, expire, replie, pose et soulève. Pose derrière. Soulève les jambes, tend les jambes, replie, pose les pieds au sol, inspire à nouveau, étire le dos et viens toucher les genoux. Tendu, replie, pose délicatement au sol sans creuser le dos et viens toucher les genoux. Le dos reste tenu grâce à votre force du ventre. Tendez les jambes. C'est très bien, on continue lentement dans le contrôle du mouvement. Le ventre reste tenu, la taille est longue. Et inspire, remonte ses jambes, tend au plafond, replie et pose délicatement.
Relâchez bien vos épaules, prenez pas la force dans le haut du corps. Vous n'en avez pas besoin. Votre ventre est bien assez fort. Soulevez les épaules du sol au moment de soulever ce haut du corps. Bien, pose la tête. Et là, on tend les jambes, on plaque le ventre, replie, pose encore deux fois. Et inspire. Ouais, n'oubliez pas de respirer, c'est vraiment l'important. Plus ça devient difficile, plus vous pouvez vous concentrer sur la respiration. Ça va vous aider. Et relâchez, ramenez les bras le long du corps. On va tirer le genou droit vers la poitrine. Puis le gauche. Très bien, maintenant vous pouvez placer vos mains sur le bas-ventre. On va terminer la session comme on a commencé en respirant. Fermez à nouveau vos yeux, prenez de nouveau conscience de vos pieds sur le sol, de toutes les parties du corps qui touchent votre tapis, relâchez bien les épaules. Et dans l'inspiration, vous allez souffler, vous allez inspirer, pardon, mais en laissant votre ventre se gonfler et pousser vos mains. On inspire, les mains sont repoussées par le ventre. Et on expire le plus lentement possible par la bouche en essayant de ne pas faire de bruit. Et encore, inspirez, laissez le ventre être souple. Et tout doucement, relâchez, expirez. Ça fait un bon massage interne pour vos organes. Dernière fois, inspirez. Sentez comme la poitrine se soulève aussi. Et dans l'expire, tranquillement, tout le corps se relâche et s'enfonce dans le sol. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec moi. J'espère que ça vous a fait du bien au corps et à l'esprit. Et puis, je me réjouis de vous retrouver pour d'autres séquences de Pilates. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, je les lis. Ça me fait toujours plaisir de partager avec vous. Et puis, si vous aimez cette chaîne, pour nous soutenir, la meilleure chose, c'est de vous abonner, c'est de partager avec ceux que vous pensez qui pourraient aimer et avoir besoin de faire du Pilates. Et bien sûr, on se réjouit de voir cette grande communauté grandir. À tout bientôt et merci.